petite VOD quand même. Petit jeu d'horreur, ça fait longtemps. Découverte de... Liars of Fear. À chaque fois, je fais la voix de Pimon quand on fait ça. du coup, Liars of Fear démo. Apparemment, démo du remake du premier Liars of Fear. Enfin, premier. Je sais qu'il y en avait eu, il y avait une suite, je sais plus si c'est un DLC ou un second jeu. Mais en tout cas, on va tester la démo. J'avais déjà réglé le gamma. Oui, je l'ai déjà réglé assez élevé. C'est volontaire. Quasi-disparition, c'est un peu le plus sombre. Ouais, non, moi je règle assez élevé. Et franchement, ça gâche jamais mon expérience. Loin de là. On s'immerge dans Liars of Fear. Très joli en tout cas. Alors j'ai baissé la musique. C'est peut-être pas assez. Nostrils stimulated. Standing venerated. And one day, you took everything away but shame and pain. I'm still not sure what game you're playing. But I'm back. On enquêtait sur notre papa, hein. C'était bien ça. Je me rappelais plus qui on était par rapport à la personne, par rapport au peintre. Sur lequel on enquêtait, qu'on essayait de comprendre. Alors c'est très joli, mais c'est pas des images en jeu, je pense. Hein. Après, le jeu a l'air joli, de toute façon. I'm taking what's mine. Ok, nous y voilà. On n'avait pas, il me semble, une cinématique d'intro à la base, dans l'original. It made me think of your poem. Congratulations. Montrer, tourner, ok. Je peux juste faire ça, je peux pas le tourner dans l'autre sens. Je vais voir si la souris c'est plus instinctif, intuitif ou instinctif. Pas trop. Je reste à la manette. Ce sera plus soft. Comme gameplay. C'est un peu moins des coups de caméra et tout. Je trouve que pour un jeu d'horreur, ça s'y prête bien. Oh, c'est beau. Finalement, j'ai envie d'enlever ma cam en fait pour que vous puissiez vraiment en profiter. J'hésite. Pour le moment, j'ai enlevé. Parce que vraiment, le jeu, il est... Il est très beau. J'aurais peut-être dû mettre mon fond vert, mais ça m'aurait fait plein d'éclairages sur la tronche. Un peu la flemme. Pour un jeu comme ça. Une double fenêtre? Ça se fait ça? Si ça fait un effet un peu grisâtre, c'est parce que j'ai augmenté le gamma. Hello? I received the word that you came to the lighthouse. Bien arrivé au phare, tout est à votre convenance. Well, that was fast. Yeah, oui, je suis là. C'est qui lui? J'ai envie d'entendre. Avez-vous commencé à écrire? What? What? On vient à peine d'arriver. Prenez bien, madame. Madame quoi? Il est impératif que vous mettiez au travail le plus vite possible. Je vous rappelle que vous avez signé un contrat. Ce dernier contient une chronologie très précise. Je vous conseille vivement de la respecter. Bisous, bye bye. Madame, pourquoi est parasite en entre parenthèses, enfin entre crochets? J'imagine que c'est pour dire qu'il y avait des... Bien trop sobre pour avoir cette conversation. Ok. Il y avait écrit parasite pour dire qu'il y avait des je sais pas, la... Parasite sur la ligne, quoi. Dear, congratulations, once again, on winning our competition. Attends. Let us repeat.
Your submission astonished us, and we Bonjour. Are delighted to welcome you in our hermit. Recevez à nouveau nos sincères félicitations pour avoir remporté notre concours. Permettez-moi de vous répéter, votre publication nous a impressionnés, et nous sommes ravis de vous accueillir dans notre ermitage. Faites comme chez vous, le phare entier est à votre disposition. Un bateau vous apportera chaque semaine des provisions, et s'il vous manque quoi que ce soit, vous trouverez un téléphone dans nos locaux. Nous vous souhaitons un séjour productif et inspirant. Bisous, bye bye. Ok. Mais c'est vraiment moi qui parle ou c'est des vestiges que je trouve d'avant? Je peux pas le prendre. Dear, congratulations once again on... C'est fermé. C'est at your disposal. Effectivement, ouais. C'est une démo un peu fermée, elle semblerait. Elle trouve aussi que le contenu est un peu léger, là. Je me souviens pas qu'il y ait une cinématique dans l'original, effectivement. Ouais, toi non plus, hein. On sait d'où on vient. Là, je vais pas pouvoir y aller parce qu'il y a des caisses et que j'ai pas de genoux. Bon, ok. Je vais retourner dans ma chambre pour voir si je trouve des trucs. Ah, faut que je mette au travail, c'est vrai. Faut déjà que j'écrive. Avec une machine bien moderne en plus. Faut tourner plus la tête. J'ai entendu un chien. C'est marrant, ces rats qui font toujours des cris en courant. Un rat, ça crie pas beaucoup en vrai. Oui, je fais du pointillisme pour le coup. Effectivement. Oh! Elle a pas l'air en bonne résolution la peinture. Un peu frétillée. Les images qu'on sautait là, elle a pas des bons FPS. Bon, je peux rien faire, j'ai l'impression. Je veux bien m'approcher beaucoup. Mais Clara, c'est pas tant que ça quand on y pense. Bah non, dans beaucoup de... Enfin, il faut souvent qu'il y ait du sonore qui accompagne le... qui accompagne l'image dans les jeux. Genre un serpent, il fera toujours... Enfin, le truc, voilà, un truc à sonnette, même si c'est pas du tout ça. Et du coup, un rat, il fera toujours un petit... Même si, en vrai, bah, les rats, comme les serpents, c'est pas... Bon, un rat, ça fait plus de bruit, mais... Du bruit, ça se fait attaquer, quoi. Profitez du téléphone, elle a dit. J'appelle simplement pour te dire que j'étais bien arrivée. Tu sais, j'ai déjà reçu un coup de fil de l'agence pour savoir si j'avais avancé, j'imagine. Tu as au moins eu le temps de t'installer? Comment est le phare? Inspirant, effrayant, hanté? Tout ce que tu décris. J'étais justement en train de chercher... C'est rien. Comment tu te sens? Les médicaments font-ils effet? C'est pas pour moi, maman. Je peux te dédier à ton œuvre maintenant. Tu peux vivre ta vie. Sûrement raison. Je dois probablement m'y mettre. À bientôt, chérie, je t'aime. Donc, c'est en fait, chérie, c'est son fils, en fait. J'avais pas entendu qu'elle avait dit son. Ok.
un peu de bruit qui vient de là. Et on peut rien y faire. Ça, c'est du vis-à-vis, ça. Bon, je vais retourner ici. Et je pense que sinon, faut que j'aille... J'ai mis le gamma assez élevé quand même. Hein. Comprenez pourquoi maintenant je fais ça à chaque fois. Parce que sinon, c'est chiant. Sinon, c'est vraiment du... Enfin, on a de l'écran noir, quoi, à montrer. Alors, c'est... Ça fait peur un peu, hein, mais... C'est pas les images plus passionnantes à montrer, quoi. Dans les jeux d'horreur, ils font beaucoup trop ça. Beaucoup trop appel au manque de lumière pour faire peur. Sauf qu'en vrai, bah, juste quand on voit rien, on voit juste rien. C'est pas dingue, quoi. Il y a à montrer. Son fils, du coup ? Ouais, il y a un truc, là. Ah, je peux pas... Je peux pas zoomer, je peux pas aller. Okay. Et ça, je peux pas non plus... Bon. Elle va retenter de se remettre au travail, il va se passer des trucs. Non, un OSP. Chapitre 2, ok. Il s'est passé quoi là, attendez? Ah, je suis dans le bouquin peut-être, c'est ça? Ah mais ça je m'en rappelle très bien par contre. Je m'en rappelle très bien. Et c'était le placard où on avait les bouts de membres. Enfin les... Comment on pourrait appeler ça? Les sortes d'artefacts de chaque chapitre. Et il y avait ouais, parfois des morceaux des cheveux ensanglantés, des bouts de corps, des trucs comme ça, des yeux. Des trucs assez creepy. Tant de nuit attirée par le feu qui les sépare, peu importe si la flamme est celle du désir, du désespoir ou de la haine. Du coup, on est dans le bouquin de la madame ? On va voir. I hereby resign from service as maid and house. Par la présente, je renonce à mon poste de femme de chambre dans la maison. Bisous, papy. Marie Smith. Ok. Et oui. J'allais dire des trucs sur intrigue, mais je vais pas trop dire parce que au cas où des gens regardent la démo et n'ont pas fait l'original, je vais pas trop spoiler l'histoire finalement. J'allais parler de pourquoi la femme de chambre dit ça. Mais finalement non. Je vais me taire. Et si des gens regardent cette démo en VOD ou là sur le stream et n'ont pas fait l'original, je leur spoilerai rien comme ça. Oh, stop looking at me like that. Arrête de me regarder avec ses yeux. Juste un petit quelque chose pour aider à me concentrer sur mon travail, c'est tout. Ça va, c'est pas tant que ça. Nothing. They're getting smart. Et Jara. Togo écrit. On distingue à peine la peinture. C'est dommage que ce soit si sombre là alors qu'on nous montre quelque chose. Quand c'est sombre mais qu'il n'y a rien à voir, je comprends. Mais là j'aime bien voir la peinture un peu plus en détail là. Thierry, tu te souviens quand tu as dit qu'il serait bien d'avoir un chat qui joue avec le bébé? Je veux s'acheter un chien. Que j'aime écouter, mais pas tout à fait. Ouais. Bonsoir, Davis. Tu veux faire un bon jeu d'horreur, suffit juste de faire un artiste en dépression. Disons que des jeux d'horreur avec des gens en dépression, il y en a, hein. Pour bien faire ça, après, c'est autre chose.
Nom de la patiente. Illisible, date illisible. Je peux pas aller par là, je vais retourner par là alors. Un bout de la peinture qu'on a vu tout à l'heure ? Je sais pas. Il y a deux visages dans moi. Ok. Ah ça j'aimais bien. Il y avait vraiment ce système dans Lords of Fear de tu te retournes et ce qu'il y avait derrière toi a complètement changé. Et des fois tu devais faire ça assez vite et tout changeait. Là c'est le cas. Je vais aller voir ici, il y avait un objet. Oh, des petits oiseaux. Et aussi quand un bruitage, il vient de quelque part. Et ça aussi, j'aime bien. J'ai toujours voulu un très grand jardin. Tu disais que la végétation te calmait. Alors du coup, j'ai fait un parking. Is this the right door for me? Bien fait cette façon de te faire perdre tes repères. Ouais, clairement. C'était bien fait et on l'avait pas vu dans tant de jeux que ça. Enfin, dans beaucoup de jeux, ce genre de ce principe-là, je trouve. Le premier, il a quand même un petit paquet d'années maintenant. L'original, je veux dire. Après, ce principe a été repris. Pas forcément de ce jeu-là, parce que c'est pas non plus le seul, mais en tout cas, on voyait pas beaucoup à l'époque. De moi, de ce que je me rappelle. Des jeux d'horreur qui proposaient des petites manières un peu différentes de te mettre mal à l'aise, en fait. Déjà mettre ça. Merci beaucoup Didier Bell pour ton abo et ton message qui est trop mignon. Deux mois, le début d'une belle découverte, merci! Déjà deux mois qu'on se connaît, mais c'est fou! Déjà le deuxième mois d'abo? C'est fou, mais oui, avec les streams Genshin. J'ai découvert un peu la commune Soussou, en fait, que je connaissais que... de Soutane, que je connaissais que... depuis son chat, quoi. Et trop cool! Trop cool de vous voir un petit peu, parce que c'est vraiment une commune adorable. Et tu es adorable, merci beaucoup! Le temps passe vite, oui. Merci vraiment du soutien, c'est énorme, merci. J'ai pris une bougie. Ah, je dois la poser là peut-être. Ça. Et là, il faut que je trouve une autre bougie. Je crois qu'il vient d'avoir une genre ici et je l'ai pas vue. Non. En fait, je risque rien, je vais pas mourir. Il semblait qu'il y avait pas trop de moyens de... Enfin, c'est pas un jeu où tu mourais, où t'avais du... voilà. Tu devais refaire les trucs et tout, ça arrivait, mais pas trop, quoi. Oh. Ma manette tremblote un peu, très légèrement. Ah non! J'ai jamais voulu en arriver là. Bah, c'est comme ça.
de me protéger. Ah ok, il faut que je crame les poupées. Ou les trucs un peu maudits quoi. Ah, elle avait une clé dans la main, le bébou. Since my last letter, things only got worse. Depuis ma dernière lettre, les choses n'ont fait qu'empirer. Hier, mon tabouret s'est cassé alors que j'étais dessus. Ma tasse s'est collée à la table de la cuisine. Ils ont besoin de plus de domestiques, mais ils sont tous fainéants. On dirait que plus personne veut travailler de nos jours, et puis en plus on peut plus rien dire, et puis il n'y a plus de saison, merde. Ça dégoûte. Ça veut pas dire qu'on veut pas mourir dans ce remake. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Si ça se trouve, par exemple, dans la maison qui brûle, enfin dans l'espace qui brûle, peut-être que pour la démo ils sont généreux, mais peut-être qu'en fait c'est timé, je ne sais pas. On peut installer l'électricité dans la machin. Voilà, si tu veux pas être en contact avec le feu, ne t'en approche pas. Mais la personne a l'air d'être en fauteuil roulant aussi, ça a l'air d'être simple. Ah maintenant je peux. Ok. Non, je me suis demandé si c'était si le miasme là c'était un truc qu'il fallait que j'élimine, que je nettoie par la lumière. Ass up today. I'm resigning from work at this house. À ce jour, je quitte mes fonctions dans cette maison. Trop de réverb. Je ne pense pas avoir besoin de revenir sur mes raisons de ma décision. Vous savez ce que c'est de vivre dans cette maison. J'aurais un conseil à vous donner. Pensez à être plus compréhensive et plus aimable avec les futurs employés de la maison. Les domestiques qui s'en vont un par un. Et là, du coup, c'était... Ça avait l'air d'être destiné à la femme de maison. Le faire moi-même. Empêcher la maison de tomber en ruine ne doit pas être si compliqué. Ce qu'il a dit, plus compréhensive, il y avait écrit. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que je suis en train de travailler? Je te promets que si tu m'interromps encore une fois, le Mandel va partir. Je pense que ce sera plus dur. Ça devrait être plus dur. Les os ne devraient pas se casser. What? Ah, direct là. Là, on a passé un cap. On a passé un me dérange plus. On est passé de ne me dérange plus sinon à j'ai une scie dans la main et je me dis oh, est-ce que les os ça se casse? Avec une scie, ça passe ou pas? Il y a une musique qui s'est arrêtée. Et ça s'est ouvert. Oh, et là on fait ça. Oula. Oula, ça a pas l'air bien ça. La porte est fermée. Ok, ok, faut que je fasse un truc je pense. Je vais allumer le feu. Avec ma lumière. Voilà, faut... Je vais me mettre ici. Je dois avoir un truc à faire. Là, aller dans le feu, ça semble pas être super strat. Non, en général, c'est pas... C'est rarement une solution idéale. Quoi. Oh, c'est ouvert. On va aller là, déjà. Ouais. Quoi.
Salut Ragamit. Ok, ça c'est ce qu'on a entendu, ça fait... Ça s'est arrêté. Enfin, j'ai essayé de faire le truc du vinyle qui s'arrête, mais j'ai pas réussi. Toute chose qui pourrait la faire sourire. Non mais faut mettre le CD en fait. Ah voilà. Enfin, le CD, le vinyle. Un peu rayé le vinyle, non? Ah, ça va bien la faire sourire là, là c'est... Oh. Voilà, fallait que j'attende que le miasme s'enlève, et là maintenant, j'ai accès à une clé, ça. Je devrais retirer la chair de l'os. Je n'avais au début aucune idée de la manière de faire, mais ensuite, je l'ai coupé avec une scie à main. Je l'ai bouilli. Je l'ai mis dans un mortier. Je m'en procurais un, c'était bien entendu ma première fois. Mince ! Je voulais... Oh zut, excusez-moi. Ah zut, je voulais juste qu'il range l'objet et qu'il continue à... Voilà, qu'on continue à voir ce qu'il disait en bougeant en fait. Ah zut, excusez-moi. Ouais, ouais. Donc Ah bah ça c'est la photo qu'on avait trouvée. Il y en a beaucoup. No, this is private. Ah, le journal de notre go. Déteste malgré tout, perdu, seul, tu le mérites probablement. Grave erreur pour toi, terminé. Waouh. Les peintures sont les mêmes. Je m'en rappelle bien quand je les vois comme ça. Ah voilà, bah comme ça on va réécouter. J'avais au début qu'une idée de la manière de faire, mais ensuite je l'ai coupé avec une scie à la main, ça on avait vu. Je l'ai bouilli. Ah oui d'accord, je l'ai mis dans un mortier. Tu m'en procurais un, c'était la première fois. J'ai fini par mélanger la poussière avec un peu de peinture blanche. Les Vendels. J'en fais une sous-couche sympathique. L'os de qui ou de quoi? Ou de coup B, évidemment. Ça va, Betty Vandel. Je pensais que ce serait plus dur. Ça devrait être plus dur. Les autres ne devraient pas se casser si facilement. Eh oui, on comprend mieux. Mais de quel os a-t-il... De quel corps a-t-il extrait cet os? Je pense qu'aucune des réponses auxquelles je pense pourrait être cool. Il n'en pouvait pas. Il vient à moi au fond de la bouteille, le maître cornu du cubisme. Nous buvons à la chute de la réalité, jusqu'à ce que les formes rectilignes se précisent, et je me coupe sur les infiniment perpendiculaires rebords de mon verre. Je vis en retraite dans son nid, dans l'iris de mon œil gauche. Ça va vous? La Clémoto, panté le chat. Comment tu vas? En forme? Week-end sympa? Ok, bon ça, va falloir le mettre là. Mais avant, ou ailleurs, d'ailleurs.
peut le mettre maintenant, je pense. J'aurais peut-être dû le faire. Ah, genre, mais je me. Oh. Je peux pas courir, hein. J'aurais dû visiter avant, je le savais. I knew it. Les portes, elles se pètent tous derrière moi! Mini barbecue avec la famille. Oh, trop bien! Oh, il a fait bon aujourd'hui, hein. I follow the red line. Voilà. Je pense qu'en faisant ça, je la stoppe un peu. Un peu, hein. On va suivre ça. Ça me semble bien. Je pense elle va se reformer. Ouais, c'est ça. J'attends 2-3 jours histoire de voir quel microbe mon neveu m'a refilé. Non mais c'est bien, ça permet de renforcer son système immunitaire. Je suis pas au bon endroit là. J'aurais dû continuer tout droit, je pense. Ah, je peux zoomer. Ok. Teste un peu mes touches en même temps. Ouais. Tu sais qu'il faut que je le l'aide? Non, je pense pas. La gamme de Zelda avance bien. Ouais! Ouais, là on a débloqué les fées, nous. Enfin. On est sur les fontaines des fées, pour ceux qui jouent au jeu. Voilà, et on a débloqué la première. On a compris un petit peu comment faire. On a fait le premier donge hier, avant-hier. On avance tranquillou, trop bien. C'est un plaisir immense d'avancer sur ce jeu. Je ne t'arrête pas d'éloge. Tous les jours, j'en parle un petit peu. Mais parce que c'est trop bien. Voilà. Bon, je trouve pas le dernier truc. Je vais la calmer un peu, elle. Voilà. Du coup, faut que je trouve le dernier... La dernière valve. J'ai pas... Ah! C'est pas mal ça. Ah, je pense que c'est... Ça aurait pu être bien. Non, je pense pas. Attendez, on va tester l'autre porte. On va tester celle-là de porte. Déjà vu tout ça, je pense. Peut-être ici, faut que je regarde bien autour de WAM. Ah! Voilà. En fait, elle est bien en évidence, y a pas de feinte. Je vais aller tout droit.
toute façon, je vais retourner, c'est sûr. Je vais retomber sur le truc. Dégage. Ah merde! Embrasser, ça renforce mon système immunitaire. Embrasser aussi, ça renforce mon système immunitaire. C'est probablement plus agréable. Bon, enfin bon, je vais pas dire à Vendels de rouler une pelle à son neveu quand même. C'est chelou ça. Quand même. S'il te plaît, un peu de tenue, Grision. S'il te plaît, quoi. Il y a quoi par terre? On va prendre. Nope. Ça pourrait être très mal interprété. Oui, il veut que tu vends. Ça pourrait être un petit peu mal pris. Ah zut, désolé. J'étais plus concentrée. La faune de Grision, ça. Parce qu'en fait, je sais pas comment retrouver le truc des rouages. Pas des rouages, ouais, c'est ça le système là. Oh, je connais pas cette pièce. Je suis dans le flou. Dans tous les cas, en qualité d'avocat, je vous conseille d'éviter toute action imprudente. En d'autres termes, ne faites rien de stupide. Ne faites rien de stupide. Nous avons encore une chance de gagner. Croyez-le ou non, j'ai tiré des clients. De cas bien pire. Évitez de faire empirer la situation. Faites profil bas et laissez-moi faire appel au jugement du tribunal. Laissez-moi. Ouais, d'accord. L'assistante sociale a un faible pour vous. Nous devons pouvoir l'utiliser à notre avantage en vous décrivant comme une victime du système. Un mari en deuil, un écart de jugement temporaire, un bureaucrate trop zélé. Croyez-moi, c'est notre meilleur espoir. Étant donné que vous avez traversé dernièrement, désolé, je galère un peu à lire. Je vous donne un bon 50-50 d'avoir. Je vous donne un bon de 50%, oui bien sûr. Un bon 50-50 d'avoir un résultat favorable, sauf si vous continuez à essayer de tous les convaincre que vous êtes totalement fou. Ça a terminé les éclats de rage, les divagations, encore mieux, terminé les apparences publiques. Vous pouvez encore récupérer votre fille. Ok. Un mari en deuil, on a entendu. Salut Rex Noctis. Hello, hello. Ok. Du coup, le jeu, il m'a fait passer à la suite parce que j'étais trop nulle à la phase d'avant, c'est ça? Mais je connaissais pas le chemin. Non, je ferai pas la blague sur le loto. Parce qu'on s'emmerde. Voilà. Je la ferai pas. Voilà, c'est tout. La mort est quoi? Il y a un truc où... sur lequel... enfin... j'ai posé les yeux sur un truc, là, peut-être? Et ça, ça déclenche une phrase. J'arrive pas à savoir quoi. Peut-être ça. Je peux poser le rouage. Hein. Merci. Ouh. Ah bah voilà. Ah la démo s'arrête. Dis non. En fait là cette porte y va pas. Merci d'avoir joué à la démo de l'Air Zafir. Nous espérons qu'elle vous a plu. Nous avons hâte de découvrir vos retours. Suivez l'actualité pour encore plus de folie. Pas le meilleur choix de mots. Ok. Il sort au mois de juin 2023. GG à vous.
pour ceux que ça intéresse, c'était la démo de Layers of Fear. Bisous VOD. Bye bye.